Maître Luc Mandelil, mesdames et messieurs, tout le monde connaît sous régime Jovenel Moïse, Maître Luc Mandelil et Joseph Jout, Ramil Nomo et Ramo Nomil, disons. Et bien, je dis là, Maître Luc Mandelil qui est même sorti dans le silence pour le faire parler sur le dossier insécurité qui a ravagé le pays. Chaque zone où passe dans Port-au-Prince, chaque zone où passe en Haïti, ben nous dit comme ça, et bien, où je n'ai gang qui est même à pas théoriser le monde dans la zone ça. Qui vient au gang qui plante, qui a créé panique dans tout le pays. Et même Maître Mandelil qui va jamais mettre dans la bouche la parler surtout des questions de sécurité. Et même selon je dois être mélangé là, dans la figure de la République, divers conseils présidentiels dans la corruption, dans tout ça qui passe, dans même et pas les démissionnaires qui donc, dans Haïti, ça a eu les démissionnaires, ils n'ont pas gagné vocabulaire ça. Donc, dans le dictionnaire, M. Luc Mandelil qui baille Nobel Ramo diverses techniques et tactiques, comment le capable d'éliminer Bandi dans une fraction de seconde, mesdames et messieurs. M. Luc Mandelil là, monsieur, il voit un message, puis un bouc, ça baille tout n'est pas que ça il a appelé Chris là, et là, moi, 100 jours, et ça nous pas cité. Et bien, monsieur, fait n'est pas que bonjour, là, bonjour, parce que le pays, ça, c'est pas n'est pas seulement café là, voilà, c'est pas de l'état là, tu es dans. Dans ce collège avec les examens, et bien là, comme ça, le pays a tapé l'huile et tout le monde est capable de vivre à l'aise dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, dans la vidéo, ça, vous allez inviter à gagner des détails tout sur Rosemont Jean qui réagit sur ce qui a passé haïtien, haïtienne, que ce soit les États-Unis, que ce soit en République Dominicaine, haïtien, c'est un véritable cauchemar qui a passé. Donc, dernièrement, comment un agent d'immigration voit un haïtien en bas. Eh bien, côté de la course, donc, quand il voit ici en bas, il tombe, il se fait qu'on aime, il ne pas mourir. Eh bien, tout le bagage, c'est des bagages qui sont de révolter, nous pouvons faire tout le monde rentrer la caillou et puis venir combattre gang pour le pays capable de changer. Mais nous avons un peuple comme ça, son peuple qui remet souffrir et il préfère bien vivre avec le monde au lieu de vivre la caillou. Donc, c'est blanc qui mettait nous dans la situation ça avec les gens et tout, en tout cas. On écoute pour plus de détails, mesdames et messieurs, l'abtourné. Il y a dit qu'il y a plus de territoire et perdu. Et je dis, il y a de plus en plus de voix. Il y a des gens qui étaient en Abdi l'avant, mais je dis, Abdi, que bagay ça, et la police, et pas qu'à faire travail ça, et ça, c'est travail et militaire. La police, les forces armées d'Haïti, nous, qui ça les représentait, jusqu'à présent, capable de continuer à parler de l'armée, lui-même, à l'état embryonnaire. Donc, nous, et pas avancer trop dans les questions sécuritaires, non, et questions rétablies, pour nous capables de rétablir sécurité et dans le pays. Et voilà que, et les États-Unis, je dis, a poussé pour transformer force et multinationale là, les missions multinationales d'appui à la sécurité et à Haïti, hein, et force de maintien de la paix de l'ONU. Nous faisons expérience de missions onusiennes et déjà, est-ce que, ou sous même ligne avec les Américains et qui j'en comprends ça, est-ce que une mission onusienne capable d'avoir plus résultats que force ça qu'il a? D'abord, Marie-Lucie, on commence parce que toucher deux points là, on parle d'élection et on parle de sécurité. Alors, face à ce scandale ça, parce que l'on a une question d'élection, c'est sérénité. Et fort, moi qui parle d'élection, fort qu'on est, au départ, pas de fausse côté dans la question. Faut ressentir que, il y a un minimum de garantie, de monde qui est l'exécutif, là, qui a organisé l'élection. Donc, au départ, c'est pas des corrompus. Au départ, c'est monde qui est placé au-dessous de tout soupçon. Et qui veut l'élection faite, et qui est honnête, qui va pouvoir le faire bâtir sur l'élection. Et face à ce scandale, là, ça veut dire que, confiance n'a pas les droits sur l'élection, pas de confiance, ça. Et ça fait moi-même au début de l'émission, je me demandais, monsieur Sayo, si t'es un peu de gêne, il faut arrêter, retirer vol. Et pour sauver, ça a sauvé encore. Deuxièmement, question sécurité, qui est là, Jean-Renio a pu a fait là, moi-même, je pensais que si j'étais là,
si c'est moi qui suis chef, m'bralde m'baye là, question sécurité, babagaye m'en discuter. D'accord. Et publiquement, c'est bagaye qui discuter, à l'interne, tellement sont questions sensibles, parce que des recrutements eux-mêmes, ils assurent, même j'avais avec tout le monde de bien. Maintenant, l'État, l'on est centre-ville, bandit, il va au centre-ville. M'a dit, il prend, il va au. Parce que l'État pas calme marron. Moi-même, si m'a le pouvoir, caché à la police, pas ta priorité, côté l'IA. M'a investi centre-ville. Quand il a contrôlé notre lambeau en rue de Cazen, m'a installé caché à la police là. Café de l'IA. M'a combattu en gendarme, même si l'armée d'Haïti sont embryons. Il va prendre taille, mettons une escouade militaire là, et il va faire une pistache avec un petit peu plus. Il va faire la unité spécialisée. Il cherche 300 mètres, barre de risque, il prend un Omega, il prend Mariani pour apprécier. Et éventuellement, il va reconfiner Monsieur Gang Kibisot Néo, criminel Kayo, et Marina Issemna, si il y a des bâtiments campagne d'abranger, il va porter du encadre dans une DR, et bien il ferme deux ans, ferme deux. Pour me libérer une route nationale, parce que priorité route nationale pour libérer, parce qu'il y a trop grand coup, surtout à Bourgogne, moi j'ai gaspillé en province. Et ça, ça fait mal bon, le faire comprendre cette ville-là, ou t'as voulu pousser, quand même. Parce que pas de lui, il n'y a pas de conviction, c'est vrai. C'est pas de une idéologie, une doctrine, c'est des réseaux, voilà. Y'a voilà. Donc, et, il n'est pas senti, et vraiment, politiquement, en vérité politique, ça m'a donné un résultat. Mais c'est, comme elle a recadé, je voulais pas écarter, mais c'est belle à supprimer, vous savez, il n'y a pas besoin de 10 millions de vues, parce que, quand elle a été existé déjà, c'est une réparation seulement le besoin. Donc, pour vous, c'est quand même. Mais c'est pas ça, moi, qu'a fait. Et après plus de 3 mois, on pouvait m'installer là. Et c'est vrai que moi, la police a fait 10 fois. Le bac a dit, pas faire du tout. Si une dame dit, pas faire du tout, pas sérieux. Et là, ici, on a prêté pas tout ça de la net. Ça veut dire que ça, la police est plus fort. Et non, même dit là, comme commandant chef. Je suis appelé ici faire quelque chose, ouais, mais question sécurité, hein, il parle seulement de la police. Il est d'abord l'exécutif là. Mais l'exécutif est en conflit, c'est de là j'ai cherché. Et il va se mettre à 20 que sécurité n'a pas pris du rôle, parce que nous avons même le conseil l'a dit, le bail président, même le conseil du West. Il va prendre le gang, il va prendre le bandit, il va prendre le criminel, c'est des opprimés malorientés. Et ça, comme d'habitude, on va compter depuis qu'il a été comme ça. Si tout le monde, c'est, soit fait de gloire ou bien mal, on va dire, tout le monde qui t'a bandit, tout qui t'a gang. Donc, il n'y a pas de gens comme ça. Ça veut dire qu'il ça, bon, mais ça est clair, politique, vous voyez. C'est que ça qui l'a pas dérangé, ou bien intérêt là-dedans. Avec des sous-guerres, mon exécutif qui pas clair, gros, l'un ou deux bois. Qui pas clair, la question sécurité, on va sortir. Parce qu'il faut ferme, la question sécurité, il faut clair, sans équivoque, pas de l'un ou deux bois. Il faut parler pour de très très loin avec le groupe terroriste. L'autre langue est comme ça, mais même pas, il va faire une confiance. Parce que je ne pas comprendre le pays, maman, papa, pas les deux groupes qui ont encore. Ils décapitalisent tout le monde, ils ne veulent plus pour le pays. Nous faisons conférence pour nous capables de recadrer non seulement le gouvernement gaïkonien, mais madame Yorele, madame Dupuy, qui est ministre des Affaires soi-disant étrangères en Haïti. Des prétendus ministères affaires étrangères. Parce que Haïti actuellement, nous sommes aux côtés, c'est des esclaves qui ont dirigé nous, mais nous avons des hommes et des femmes d'État qui prennent charge pays en main. C'est pour nous dénoncer l'hypocrisie qui manifestait à travers un ensemble de monde sous prétexte Donald Trump, Tavadi et des Haïtiens qui participaient dans voler canard, dans manger chien, dans manger. Ça rejoint Kana, chat. Bon, tout le monde connaît manger chat en Haïti par jour. L'aime garder tollé, l'aime garder
ensemble de moun kap intervenu soi-disant hypocritement parlant pour dénoncer Donald Trump. Alors que société a connaît nous partager frontière avec la République dominicaine quelques mètres là, bah oui, quelques kilomètres. Nous gagnons chaque jour des compatriotes qui vont assassiner en République dominicaine. Ça qui s'est passé là, et plus passé, il y a 50 haïtiens qui ont tué là en République dominicaine. Agents immigrants, immigration dominicaine, mettez avec complicité gouvernement dominicain. N'a pas gardé le monde entier, gouvernement haïtien a gardé. Yon citoyen, c'est pas volé ou te volé, mais qui tap travail dans maçon, kap travail dignement. Immigration vin pran yo, yon kouri son dokay. Yon nan agent immigration yo, kembe yon nan haïtien yo. Li pa arrêté, mais de dokay la le rete lage l'anba, li voye l'anba. Comme si, choup kap ba yon blague, l'elfin breta fial pral nan kampay, avec des criminels qui prennent deux mouns, ils ont tué vivant comme ça, ça ne va pas dire personne moun rien. Gouvernement pas mettre en branle des délégations pour motiver côté nous gain ambassadeur, nous gain consul en République dominicaine pour déplacer en République dominicaine, ministre affaires étrangères pas aucune autre sortie pour condamner un crime odieux, un crime pareil. Voir pour t'almer une enquête pour connaître combien haïtiens mouri dans conditions pareilles. Parce que ça nous est assez de nous côté. C'est parce que tu as un monde quelque part en caméra, les moutons, mais haïtiens, agents immigration prennent, ils ont couru sous le cas là, ils maîtrisent et ils voient en bas. Comme si ça n'a pas révolté, ça n'a pas dit rien pour personne, la presse, gouvernement,